Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo de Genshin Impact. On va voir ensemble les prochaines bannières, c'est-à-dire celle de la 4.7. Nous aurons ici deux bannières de personnages, une avec Chlorinde et une autre avec Alaitham. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il s'agit, entre guillemets, d'un piège. Pourquoi ? Parce que les bannières sont très alléchantes. Nous avons ici Chlorinde, un 5 étoiles relativement efficace, DPS de type électro, et nous avons une autre bannière avec Alaitham, qui est également un DPS relativement puissant de type Dendro. Et sur les deux bannières, nous avons Bennett, Thomas et Setos. Donc 3-4 étoiles. Déjà, commençons par Bennett. Il s'agit d'un 4 étoiles Pyro de type Healer, mais aussi Support. Pourquoi Support? Parce qu'il aura la capacité de booster toute votre équipe. Il s'agit d'un personnage exceptionnel. Vraiment, si vous ne l'avez pas, il est vrai que ça pourrait être intéressant pour vous d'aller le chercher. D'autant que... une fois que vous avez la constellation 1 de ce personnage, eh bien vous n'avez vraiment plus de problème avec lui, il sera formidable. Vous pouvez aller chercher les autres bien entendu. Hormis peut-être la 6ème, mais on n'en parlera pas ici. Ensuite nous avons Thomas. Il s'agit d'un perso sub DPS, puisqu'il apportera eh bien, des dégâts supplémentaires grâce aux réactions dans la team. En fait, il n'est pas forcément évident à intégrer dans pas mal de teams, parce que justement ça... il est très situationnel si vous voulez, c'est un perso un petit peu niche. Il sera très efficace dans le Dendro avec les bourgeons qu'il pourra faire éclater et cela fera beaucoup de dégâts. Aussi, il faudra le jouer avec pas mal de maîtrise élémentaire, mais également une très bonne recharge d'énergie. On a donc ici un personnage qui est relativement bon, mais également relativement situationnel, assez niche. Et enfin, nous avons Setos, un personnage qui promet... de mon point de vue, il sera relativement bon puisqu'il est capable d'infuser ses carreaux durant son déchaînement élémentaire en électro. Je ne pense pas qu'il fera énormément de dégâts, mais fonctionnera très bien dans les teams d'Endro grâce aux réactions élémentaires. Et comme il y a de fortes chances qu'il applique très bien l'électro, eh bien ça fonctionnera forcément très bien avec du Dendro. Donc là encore, je pense qu'il s'agit d'un DPS assez situationnel où il faut avoir les bons persos pour pouvoir le jouer. Les persos qui vont autour de lui, qui le boostent en quelque sorte. Voilà, donc nous avons deux très bonnes bannières avec des personnages 4 étoiles corrects, notamment Bennett qui est vraiment exceptionnel. Et effectivement, vous seriez probablement tenté d'aller chercher Bennett parce qu'il est très bon si vous ne l'avez pas. Ce que je peux comprendre parce qu'il est vraiment très bon, d'autant que vous avez des DPS qui sont vraiment très bons. Que ce soit Chlorindre, qui sera très efficace, même si pas forcément évidente à jouer au début. Et il en va de même pour Alaitham. C'est à peu près exactement la même chose, bien que le fonctionnement soit différent. Ensuite, vous avez aussi la bannière d'armes. Deux bonnes armes 5 étoiles. Donc effectivement, là, vous pouvez quasiment y aller les yeux fermés, bien qu'en soi, ce soit pas forcément la priorité si vous n'avez pas les persos. Bien que ça, ces armes-là pourraient peut-être être jouées sur d'autres persos. Alors, vous vous souvenez qu'au début, je vous avais dit qu'il y avait un petit côté piégeux. Pourquoi? Parce que, peut-être vous le savez déjà, mais en seconde partie, nous aurons Furina et nous aurons également Sijuin. En ce qui concerne Sijuin, je pense que le personnage ne sera pas mauvais, mais pas forcément exceptionnel non plus. Il sera bon. Par contre, Furina, là, autant vous dire que on est vraiment sur un personnage presque hors du commun. Furina est un excellent support pour pratiquement toutes les teams. Alors oui, effectivement, elle va retirer de la vie à toute votre équipe pour augmenter les dégâts. Donc il s'agira de la jouer avec un healer. Mais à partir de là, si vous respectez cette règle, vous allez faire de très très gros dégâts, d'autant qu'elle fait aussi des dégâts elle-même. Vous aurez donc un perso super efficace qui marchera dans presque toutes les situations, qui fonctionnera très bien d'ailleurs dans le Dendro aussi, ce qui rendra les teams Dendro encore plus OP. Vraiment, là, vous avez... quelque chose d'exceptionnel. Donc le piège, ça serait que vous vouliez absolument aller chercher les 4 étoiles qui sont là. Je pense par exemple à Bennett. Et qu'au final, vous vous retrouviez avec un des 5 étoiles ici. Et qu'ensuite, si vous voulez chercher Furina, vous n'aurez plus d'invocation. Ou alors il faudra casquer. Donc, ce que je pense, mon point de vue, mieux vaut paquer pour obtenir Furina. Tant pis pour les 4 étoiles qui sont là, c'est pas non plus dramatique. Il y aura d'autres occasions, sauf peut-être si vous n'avez pas encore perdu votre 50-50. Vous pouvez toujours tenter une ou deux multis pour aller chercher Bennett notamment. Mais sinon,
Ne prenez pas forcément de risques. Cela dit, si vous avez Furina, alors là, allez-y les yeux fermés. Allez chercher Clorinde. D'ailleurs, moi je vais prendre un risque. Alors pourquoi je pense au risque? Je vous montre rapidement. J'ai 155 vœux sur moi. Donc je vais quand même prendre le risque d'aller chercher Clorinde et d'aller chercher aussi Furina, vu que je n'ai ni l'un ni l'autre. Et je me permets de le faire parce que justement j'ai beaucoup d'invocations et en plus je suis pas très loin de la pitié. Donc en soi, ça me laisse peu de risques. Mais si vous n'êtes pas dans ce cas de figure, j'ai envie de vous dire, ne prenez pas le risque si vous n'avez pas eu Furina. Allez chercher Furina d'abord, en priorité. Voilà, donc il s'agit ici d'une vidéo relativement courte, en espérant qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me faire part de vos retours. Sachez que je suis également sur Twitch très régulièrement, et vous pouvez également retrouver le Discord communautaire. On se dit à très bientôt. Allez, ciao, bye!